Salut tout le monde, c'est X-Rouge et on se retrouve cette fois-ci pour la vidéo de Dynasty Warrior 8 Extreme Legend Complete Edition, s'il vous plaît. Bien sûr, sur PS4. Nous sommes sur JVS.com et donc voilà, je voulais vous dire que ça me fait particulièrement plaisir de faire ce test pour ce site pour lequel je travaille maintenant depuis près de 8 mois. Et tout simplement parce que si vous suivez un tant soit peu mes vidéos, eh bien, vous avez dû sûrement remarquer que la toute première vidéo que j'avais fait pour ce site était sur Dynasty Warrior 8, en fait. Donc là, voilà, la suite, le Extreme Legend, je vous rappelle, bon, les fans de la série le savent, mais Extreme Legend, c'est le contenu additionnel qui a été rajouté, la totalité du jeu qui y est proposé, puis suivi après, généralement, de Dynasty Warrior Empire, qui est plus le jeu tactique-stratégie de Dynasty Warrior, reprenant tous les principes du jeu. Donc voilà, je tenais... Du coup, pour ce début de vidéo, à remercier les trois personnes qui m'avaient un petit peu pris sous leurs ailes pour commencer à bosser sur ce site. Bunk, Iso et le Doc, je vous remercie. Bien sûr, j'embrasse fortement tous ceux avec qui je parle sur le TS du site. Donc, passons maintenant au test. Comme vous pouvez le voir, différents, des nouveaux persos ont été rajoutés, 5 au total pour un total, 5 persos pour un total de 82 personnages jouables. Donc, la fameuse Lu Linghui qui est en fait la fille de Lubu, donc le test que je vais faire avec elle pour au moins vous présenter les nouveautés du jeu. Édité par Tecmo Koei, développé par Omega Force, sortie officielle le 5 avril 2014, pas de test en ce moment pour les différents sites que j'ai l'habitude de côtoyer, peut-être parce que le test est fait en avance, mais bon. Il sortira, bon, ou alors du coup sort, voilà, je vais plutôt employer le présent, il sort sur PS Vita, PS4 et PlayStation 3, donc voilà, exclu Sony comme d'habitude. Et là, bonne nouvelle pour le Extreme Legend, ça ne change pas. On peut importer notre sauvegarde de Dynasty Warrior 8 sur PS3 pour la PlayStation 4. Donc voilà, ça c'est un bon principe. Comme vous pouvez le voir, pendant que j'étais sur la... Je regarde juste les vêtements vite fait comme je ne l'ai pas vu. Style améthyste, c'est plutôt joli. Vous voyez deux attaques eggs. Ensuite, voilà, c'est une nouveauté. Faudra que je voie ce que ça donne. Nous avons après comme nouveauté, le jeu nous propose déjà toutes les batailles à faire qui seront aussi à débloquer en faisant le mode solo, car voilà, c'est la seule chose que nous devons refaire si on n'a pas exporté notre sauvegarde. Nous avons donc du coup des nouvelles missions, un nouveau mode d'histoire dans ce Extreme Legend qui a été rajouté, l'histoire de Lubu, voilà, de ce seul personnage qui est, bon, entre autres, le personnage un peu emblématique de la série, le personnage, le méchant le plus fort du jeu, c'est plutôt fort sympathique, hein. Donc là voilà, j'ai voulu quand même faire l'histoire des autres pour pouvoir un petit peu suivre l'histoire du jeu. Si je prends la fille de Lulu, mieux vaut que ça s'apparente à l'histoire du jeu. Voilà, il a l'air plutôt vénère, Lulu, voilà, vu que j'en parle. On le voit actuellement. Donc pas mal de nouveautés, beaucoup de choses. Et c'est plutôt sympathique. Qui c'est ça déjà? Qui est ce type? Pourquoi tu veux me faire chier? D'accord, donc c'est son papa, c'est son beau-père. Son fils, ouais. Le père adoptif, quoi. Eh ben, à en croire l'histoire, donc du coup, Lubu va lui éclater la gueule. Non, il ne le fait pas. Bizarre. Parce que normalement, dans les histoires vraies, enfin, je vous rappelle que tous les héros du jeu sont pris et sont des guerriers qui ont réellement existé pendant la dynastie Han, dans l'ancienne Chine, qui était pendant les années 150-390. Voilà, j'extrapole énormément la chose pour vraiment jusqu'aux dernières dates de décès des grands guerriers. Qui laissera place ensuite à la dynastie Nin, que l'on connaît beaucoup plus partout dans le monde, vu qu'elle aura duré bien plus longtemps. Qu'est-ce que nous offre le jeu? Comme vous pouvez le voir, bon, déjà perso, assez rapide. J'avais fait pause tout en parlant pour regarder les attaques ex qu'elle propose. C'est plutôt sympa. Donc si j'ai bien retenu, c'est deux fois carré, deux fois carré. Ouais, je galère un peu, désolé. Bon, là je l'ai fait trois fois, elle envoie une espèce de dalbar, c'est une étoile. Deux fois, voilà, ça fait ça, d'accord. Bon, un bon séisme, c'est cool.
Nouveauté par rapport 5 carrés de triangle. Ouais. Je vais retenter. Nouveauté par rapport voilà, avec la PS4, la voice over qui s'active je n'arrive pas à le faire moi, je teste même le menu. C'est assez dévastateur quand même, comme nouveau perso, c'est assez fini. Bon, je suis en mode normal. J'ai l'habitude plutôt de jouer avec en mode plutôt simple, parce que je trouve que la difficulté dans les beat'em'all ne reflète pas du tout justement la réalité que pourrait proposer un jeu. Voilà, enfin, ils se reçoivent je ne sais combien de coups, ils craignent même pas, vous avez la dégaine de son arme, normalement être pourfin un mec en 2-2. Donc c'est pour ça que j'ai plus l'habitude de mettre en débutant ou en passif pour que les ennemis craignent plus vite. Et du coup apparenter une certaine touche de réalisme au jeu. Mais là voilà, je l'ai mis en facile, voilà, je vous le cache pas, c'est uniquement pour la vidéo que je me suis mis en normal. Donc voilà. Nouveauté, je vous ai parlé de la voice-over, qu'est-ce que nous avons de plus? Bon, en fait, je galère à faire l'attaque de 5 carrés de fatigue, pardonnez-moi, mais c'est quand même faire. J'ai testé avec d'autres persos, ce n'est pas la. En fait, ça c'est la première fois que je joue Lulin Queen, mais j'avais testé vite fait Zutai et Joyu juste avant, moi qui suis fan incontestable de Joyu, mais toujours aussi dégoûté qu'il ait toujours son petit bâton de PD là, auquel on lui a enlevé son fameux Elder Sword, bah, putain, ça me tue. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau donc nous avons l'effet de perdre les armes quand on prend un énorme shoot, quand on prend un gros vol. Mais vous voyez le personnage qui lâche les armes au-dessus de les récupérer en main une fois qu'il se relève. Mais voilà, ça rajoute un petit event qui est sympa à la vue quoi. Ensuite, quand vous approchez trop près des archers, ce que j'ai remarqué, les archers rangent les arcs pour pouvoir ensuite sortir leur épée, ce qui est beaucoup plus cool parce que on avait l'habitude dans les anciennes dynasties que si vous êtes trop près de l'archer, l'archer se barre et pendant que vous faites votre combo, vous vous rappelez, dans les dynasties, quand on fait un combo, on se déplace très lentement, donc du coup ils ont le temps de fuir, quoi. C'est ça qui est un petit peu chiant. Vous le voyez toujours en bas à gauche, hein. Mon arme Hex suivie d'une seconde arme. Ça, vous pouvez toujours switcher d'armes quand vous le désirez. En parlant du cheval, beaucoup plus réaliste. Quand vous tournez maintenant, le cheval a tendance à se pencher, ainsi que le cavalier qui est dessus. Donc c'est plutôt sympa. Pour ce qui est par exemple des soldats aussi, les soldats au bouclier. Les soldats au bouclier, sachez que maintenant, vous vous rappelez, l'espèce de protection qu'ils avaient, il fallait attendre qu'ils lâchent la protection pour pouvoir taper ou alors faire un gros coup pour briser la garde. Et bien là, quand vous tapez normalement, et bien le bouclier se brise et ils se retrouvent juste avec leur arme. Et là, vous pouvez pas savoir le bonheur que ça fait d'éclater un mec à qui on a pété le bouclier. Hein, vous voyez bien les mecs dont j'essaie de vous décrire là. Vous savez, là, les types super chiants qui ne lâchent pas la garde au moindre moment. Et voilà, là, vous pouvez bousiller le bouclier et faire bien mal. C'est plutôt sympa. À savoir que sur PS4, le menu pause est avec le pavé tactile. Avec le pad tactile. Donc, du coup, ce n'est pas la touche option. Voilà, à savoir que ceux qui ont l'habitude de faire select avec la Play 4, c'est la touche start pour Dynasty Warrior Extreme de temps. Que vous dire de plus? Ah oui, par contre, j'ai relevé un gros point négatif, malheureusement. Alors là, je suis désolé, donc apparemment c'est sur Play 4, c'est sur pour la Play 3 aussi, c'est pareil. Ah oui, ça aussi, un petit point négatif, la caméra. Des fois, c'est super chiant, voilà, on sait pas qui c'est qu'on vise, on sait pas qui c'est qu'on shoot. La caméra nous fait vraiment des délires, hein, mais bon, ça n'a pas trop changé depuis les Dynasty, ça se voit qu'ils n'ont pas trop amélioré. Enfin, bon. Mais mis à part devant tant de beauté au niveau des graphismes, vous allez me dire, ouais, pour un jeu de Play 4, franchement, on s'attendait à mieux, mais il suffit franchement de voir les anciennes dynasties pour voir la qualité graphique qu'il y a en plus. Franchement, croyez-moi, c'est magnifique comparé aux anciens. Donc, le gros point négatif, je suis désolé de vous l'apprendre, il n'est jouable qu'à un joueur. Voilà, pas deux joueurs sur Play 3, Play 4, je ne sais pas pour la Play Vita, je pense même pas. Donc voilà, je suis désolé de vous l'apprendre. Non, je déconne, allez, poisson d'avril. Ah bon, putain, je suis con. Au moins, voilà, vous savez maintenant quel jour je fais ce test, vu que je vous ai dit qu'il n'y avait pas encore de notes sur les sites. Donc voilà, oui, poisson d'avril. On peut bien sûr jouer à deux joueurs. Deux joueurs maximum en écran 5D, et puis bien sûr le jeu en online.
pour la PS Vita, oui voilà, quand je disais qu'on peut pas jouer à deux sur PS Vita, c'est normal, hein, on va pas partager la console portable en deux. Non, bien sûr, écran scindé pour les deux consoles, et ensuite le mode online pour les deux consoles de salon de Sony. Donc voilà, ne vous en faites pas. Amélioration, quand je vous dis amélioration graphique, il y a une nouveauté. À savoir que, comment vous dire, c'était très mal optimisé du côté de chez Koei, chez Omega Force, parce que vous vous rappelez, quand il a trop d'ennemis, il s'affiche d'un seul coup. Vous savez, on a beau passer sur une zone qui est vide, et puis d'un coup, il y a plein d'ennemis qui apparaissent autour de vous parce qu'ils ne sont pas affichables, il y en a trop et le moteur ne peut pas le faire. Donc, ce n'est pas... je dis que voilà, sur Play 3 par exemple, c'était une console qui n'était pas assez bien optimisée pour pouvoir afficher ça. Non, il suffit de voir par exemple ce qu'un Last of Us peut proposer pour voir les qualités qu'elle nous offre. Non, c'est juste que chez Omega Force, ils l'avaient mal optimisé ce fait là. Et depuis, maintenant que la Play 4 est sortie, ils peuvent l'utiliser à 100%. Donc sachez que tous les ennemis sont affichés autour de vous. Ça fait un énorme amas d'ennemis, je vous le confirme. Mais au moins, voilà, vous ne serez pas surpris à avoir des mecs qui vont apparaître à votre gauche ou à votre droite d'un seul coup avec full life et qui ne seraient pas à vous taper. Et vous dire, mais d'où il vient ce coup? Et puis deux secondes après, ah oui, en fait il y avait un ennemi à côté de vous, mais bon, comme il y en avait trop, ça ne s'est pas affiché. Lui là, j'essaie de... qu'il ne s'appuie pas, comme j'ai vu que le premier avait fui, je vais l'éclater. Shen Kuang là. Nom de mes... Enfin bref. Donc voilà. Ça c'est plutôt sympa. Et puis quand vous voyez tous les ennemis et que vous avez un Musou plus une charge rage de Musou à activer pour faire vraiment le gros combo ultime, c'est super. Donc, je vous le répète, c'est un extrême bien, ça ne change pas absolument du 8. Il y a eu juste quelques missions qui ont été rajoutées, quelques persos, c'est tout. Après, les missions sont exactement les mêmes. On refait exactement les mêmes choses. Et donc voilà. Faut pas s'attendre à de la grosse nouveauté. Extrême Legend, c'était un peu... Moi, c'est celui que j'ai l'habitude d'appeler le Dynasty Warrior un peu des feignants. Mais aussi des passionnés. Feignant pour vous dire qu'il y a tout qui est débloqué, sauf bien sûr le niveau de votre personnage qui était amélioré au fur et à mesure du jeu, à moins que vous ayez importé la sauvegarde, bande de gros flemmards. Ou sinon, voilà, le jeu des passionnés pour avoir bien sûr le contenu additionnel, les nouveaux persos que l'on pourra avoir dans Dynasty Warrior 9, une fois que l'Empire sera sorti. Voilà. J'ai pas l'habitude d'acheter les Extreme Legends, sauf que, comme c'est le seul, celui que je dois empêcher de fuir, il est dans la calèche apparemment. D'accord. Mais elle a pas de barre de vie. Ah, c'est peut-être derrière qu'il faudrait que je pète. Ouais. J'ai peur de est-ce qu'elle va s'enfuir la calèche? Non, j'ai pas l'impression. Enfin voilà. Qu'est-ce que je disais? Oui voilà, j'ai pas l'habitude d'acheter l'Extreme Légende, mais bon voilà, comme c'est le seul qui sort sur Play 4 et depuis que je suis à la Play 4, je me rassure, je suis allé voir quand même si la calèche était là. Donc voilà, comme c'est le seul qui est sorti sur les 4, voilà, allez, achat exceptionnel, un petit bonsoir à Extreme Legend, mais bon, ça me permet aussi de vous retrouver encore pour des vidéos, hein, ça va, par passion, passion oblige, et surtout aussi, faire plaisir aussi aux auditeurs, aux visionneurs, que je fais ces tests-là. Bon, eux, ils vont bouffer grave, parce qu'ils commencent à m'énerver, là. Donc voilà, vous pouvez voir, hein, l'un des 5 nouveaux persos, il y en a les Wu, les Shu, les autres, mais pas chez les Jin, ce que j'ai pu remarquer. Donc voilà, parmi ces 5 nouveaux persos, je crois que c'est ça. J'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais d'après ce que j'ai pu voir, il y en a pas chez les Jin. Vu que j'ai tous les persos débloqués, il ne me semble pas avoir vu qu'une nouvelle tronche. Je me trompe, peut-être, voilà, c'est un nouveau perso, 5 clans, donc c'est fou, il y en a un dans chaque. Mais en fait, voilà. Donc, je préfère pas m'étendre sur le sujet de peur de dire une connerie. Voilà, donc je préfère vous dire, je ne suis pas sûr. Et bon, voilà, une chose dont par contre je suis sûr, c'est que le nouveau personnage des autres, c'est bien la fille à lui. Bon, allons péter le nouveau ennemi. Il me casse les couilles un peu. Voilà. Non, l'arme avec elle fait mal. Je vous rappelle que cette arme, quand même. Putain, qu'est-ce qu'il speed le paternel! Oh, le daron, il va super vite là. C'était l'arme de Lubu dans Dynasty Warrior 6. Celui que je trouve qui est le plus mauvais de la série, parce que voilà, ça y est, tous les persos ont changé leurs armes. Oui, je sais qu'Omega Force, oui, je sais que Tenko Koei s'entend très bien pour faire du réalisme au niveau des soldats, de l'histoire, etc. Donc du coup, il fallait absolument qu'ils jouent l'arme qu'ils avaient durant la dynastie Han. Ouais, d'accord, mais bon, voilà, c'est à cause de ça que Joyu a
partir de ce moment-là, a eu son vieux bâton à la colle avec son habit de toréador de je sais pas quoi là, qui fait plus homo gay sexe qu'autre chose quoi. Et voilà, moi depuis c'est le 6, j'ai pas du tout attaché à accrocher. Voilà, bon, quand on voit que Xiaodun, au lieu de son énorme épée, il avait une espèce de bâton avec une pierre à pointe au bout, quoi, c'est complètement nawak quoi. Enfin bref. En espérant qu'un putain de DLC sorte pour que le Elder Sword de Joyu puisse en faire revenir dans les doigts, parce que autant il a une putain d'allonge avec son bâton, hein, j'en dis vraiment pas de mal, mais voilà, bon, j'aurais préféré son épée. Enfin bref, au lieu de me lamenter, donc voilà, tout ce que vous pouvez voir bon, sur le jeu, je vous montre. Après bon, une fois que vous mettez votre ennemi en brise-garde, vous pouvez donc du coup activer un enchaînement en faisant carré, triangle, ou finir votre enchaînement avec carré, pour pouvoir du coup faire un enchaînement d'attaque. Vous voyez qu'elle a fait tourner son espèce de double hallebarde en croix, son double bâton double lame, voilà, comme je viens de faire. Pour pouvoir faire d'autres techniques qui sont tout aussi dévastatrices. Les KO sont toujours affichés en bas à droite. Les barres de Musou, vous en aurez 3 au total à la fin, bien entendu. Toi, tu vas pas m'énerver. Voilà. Ce sera toujours les mêmes niveaux. On a toujours les mêmes caractéristiques à s'afficher en fond. Vous savez, les bonus de soins, bonus d'attaque, l'autodidacte, le cri de guerre, il me semble, enfin voilà, vous savez, toutes les petits atouts qu'on peut s'ajouter pour EP notre personnage. Je vous dis qu'il y a beaucoup de monde, vous avez vu le premier qui a ce qui le fout, franchement, tout affiché. Mais bon, qu'est-ce que c'est bon d'art de la chaîne, bon gros Musou dans la gueule des gars. Je voyais pas, en fait, je suis tombé sur le jar, d'accord, et du coup, ça m'a filé. Du coup, je suis tombé sur la seconde aussi, c'est super. Lâche ta garde, bordel de merde. Vous voyez la caméra, c'est un truc de fou. Ça, c'est dégueulasse. Je sais pas ce que ça vous propose. Ça prend des mauvais angles, c'est bien dommage. Enfin bon. Bon, mais l'autre là, il est où? Bon, mais le chef, il est là-bas. Allons lui péter la gueule et finissons ce test. Donc, vous voyez dans l'ensemble, pas si dégueulasse que ça, franchement, il est super. Pour l'extrême légende, voilà, ça offre des persos en plus de qualité, je trouve. Vraiment, qui sont bien. Parmi les tests que j'ai pu voir, après moi j'ai surtout voulu tester ce nouveau perso qui paraissait très prometteur et qui est le plus attendu de tous. Donc voilà, après vous aurez toujours les mêmes systèmes de sauvegarde. Ah oui, ça c'est aussi voilà, l'effet de bullet time. Zutai aussi il le fait dans sa deuxième attaque ex. Voilà, un bullet time en plus de fendre les airs avec son katana. C'est plutôt sympa. Oui, je voulais deux attaques ex pour n'importe quel personnage. Et apparemment, donc voilà ce que je vois à débloquer en fonction du niveau la deuxième attaque. Hein, parce que comme je peux pas la faire avec le Linkui, je pense que ça doit être à propos du niveau sur. Donc voilà. Oui, bah ouais, en fait, je me confirme même ce que je dis, oui, parce que quand on gagne des niveaux, en plus je me rappelle qu'avec Joyu qui l'avait monté assez haut, il pouvait après taper plus de 8 fois il me semble. Donc du coup voilà, on arrive facilement, j'allais dire farcilement, ouais, si tu veux, à faire du coup un 5 fois carré, 2 fois triangle, ouais, donc ça peut être simple, facile et applicable. Donc voilà, ah ben voilà, ben ça y est, je les ai pétés. Et ben voilà, ça m'aura... Ouais, j'aurais eu le temps en une vingtaine de minutes de tout vous dire. Voilà, ben écoutez, après le jeu parle de lui-même. Après, si vous êtes fan des bons gros beat'em all, toi c'est bizarre, toi t'es l'un des parents de l'Ubu et t'es pas encore mort. C'est un peu zarde. Donc voilà. Du coup, voilà les fans de la série, vous savez à quoi vous en tenir, vous savez ce que c'est. Bon, et bien écoutez, je vais vous laisser sur cette fin de vidéo. En attendant, et bien, j'espère, pour votre part, et pour la mienne aussi, pour les futures vidéos. Oui, je sais, c'est la même routine, c'est les mêmes phrases de fin, mais bon, ce qui me caractérise. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Et toi, voilà, c'est bien ce que je pense. Oui, mais oui, il va se rallier du côté de Dong Zhuo et du coup, il va tuer son père. Tu après tueras Dong Zhuo. Enfin voilà, on connaît tout. De toute façon, c'est toujours la même histoire depuis Dynasty Warrior 3, il me semble. Parce que le 1 et le 2, c'était des jeux de combat. Donc voilà, à partir du beat'em all du 3, c'est pareil, hein, c'est toujours la même histoire, mais mieux fait avec des nouveaux persos. Bien entendu, on change pas une équipe qui fait match nul. Oui, j'ai bien dit match nul. Ouais, bon, il a tué son dragon, c'est bien ce que je pensais. Ok.
Bon, et eh bien écoutez, je vous laisse sur cette fin de vidéo. Sur ce, j'espère que mon test vous aura plu. En espérant que vous saurez apprécier les nouveautés que vous offre ce nouvel opus sur PS Vita, PS4 et Play 3. Sur ce, je vous dis à très bientôt tout le monde. Portez-vous bien et à ciao.